je remarque que les fleurs que l'on voit partout, hein, il y a des fleurs partout, n'ont pas véritablement de racines. Est-ce que ça renvoie aussi à cette double appartenance, désappartenance, appartenant dans une certaine expérience de la perte et de l'exil, tu te retrouves toi-même plus que jamais. Il y a chez Ovid, il y a les garçons et les filles qui deviennent des fleurs ou des arbres, tétanisés par les dieux fascinés par l'inconscience de l'homme, et l'homme fasciné par le pouvoir et inconscient du pouvoir du Dieu éternel qui ne connaîtra pas la mort, et ces humains meurent et deviennent des fleurs. Et de là, ces fleurs-là ont une taille humaine, et il y a ces deux tâches dans ces fleurs avec ces racines, et ces tâches-là, c'est des blind spots. J'appelle ça des blind spots. C'est à un moment donné, on ne voit plus. On est aveuglé par nos idéaux, par nos conventions. Mais ces blind spots peuvent être noirs ou ils peuvent être en couleur. C'est-à-dire, il y a un passage, il y a une complexité entre l'utopie et la dystopie. En même temps, c'est lié à mon paysage de mon enfance à Nice, au bord de l'eau, à la plage. Il y avait cette chose blanche qui sortait de l'eau et qu'on utilise pour les oiseaux pour qu'ils se fassent le bec. Et c'est le ce qui reste d'une pieuvre. Ah oui. C'est sa seule trace c'est un os. L'ossature. Et quand j'étais enfant, je me pose la question du premier souvenir que j'ai à l'âge de 3 ans, de 4 ans. Il y a des choses de l'enfance qui reviennent. Et je m'étais posé la question de à quoi ressemble l'âme. Et j'avais eu cette forme, j'avais une vision imaginaire de cette forme-là. Donc il y a ça dans ces motifs-là, mais c'est aussi lié à la question de la peinture, à la question de la construction d'un tableau. La question d'un tableau n'a pas de logique, n'a pas de rationalité. La composition ne peut pas être une question. Il y a une construction sans construction. Il y a la question du motif. Et la question du motif, la question de construire une image, c'est la question de l'œuvre d'art. C'est la question qui en aucun cas ne doit être symbolique, même s'il y a du symbole. Elle n'est pas là pour défendre telle ou telle chose. Elle a son autonomie. Et heureusement que c'est comme ça, et j'espère que ça pourra continuer pour nous les artistes de continuer dans cette voie. Il y a aussi du goudron. Dans le dessin, il y a du goudron. C'est-à-dire qu'il y a cet élément-là qui, pour moi, me rappelle la question portuaire, la question de Lost in the Sea. Et Lost in the Sea me renvoie à la tragédie humaine que nous vivons aujourd'hui. Elle me renvoie à la tragédie de la flottille de Gaza. Elle me renvoie à l'histoire et à la tragédie d'Exodus. Et elle me renvoie au radeau de la Méduse.